Ben, Jacques Chirac, c'est un président de la République qui avait du cœur. On peut dire que son action avait trois dimensions. La dimension locale, s'agissant de la Réunion, en tant que membre du Parlement, je me suis adressé à lui pendant des années. Et je témoigne devant les Réunionnaises et Réunionnais que pas une seule fois il m'a dit non. À moi et à d'autres leaders politiques. La Réunion était dans son cœur et il disait souvent à Bercy, foutez-leur la paix, ils ont besoin de travailler, d'exister. D'ailleurs, c'est quand même lui qui a fini le programme d'égalité sociale, c'est lui qui a mis la défisque, etc. Au plan national, quand on voit ou on entend ce qui se passe en métropole aujourd'hui, où on est en train de cloisonner la société française en fonction des cultures, je dis danger. Chirac était l'homme qui connaissait les civilisations les plus anciennes et il savait que sans cohésion, sans unité, il n'y avait pas possibilité de développer, de faire vivre les Français ensemble. Et au plan international, merci Jacques, de ne pas être allé faire la guerre avec cet abruti de Bush qui a déstabilisé l'Irak et le Moyen-Orient, 600 000 morts. Et si vous étiez au pouvoir à ce moment-là, vous ne seriez pas allé au Libye pour tuer Kadhafi et faire de la Libye un charnier. Nous vous regrettons. Aujourd'hui, c'est le seul jour où vous nous faites de la peine, mais on ne vous en veut pas.